suis-je? Où suis-je encore? Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve en direct du bois, on est venu se balader aujourd'hui en début de journée avec Mila bien sûr. Je suis avec Alex, bien entendu. Et Cartman est avec nous, donc il va bien se marrer. Cartman il adore venir dans le bois. On vient pas super souvent, mais on vient quand même de temps en temps. Et voilà Mila. Ça va mon amour? Oui, il arrive mon cœur. Cartman. On a toutes les demi la même veste. C'est des koalas. Tu mets ta capuche? Waouh! C'est qui? C'est Tata. C'est Tata. Et Alex est en train de préparer le chien parce qu'en fait on lui a pris le harnais, vous savez, c'est un harnais basique pour chien. Mais sur le harnais on s'est attaché une caméra, on s'est attaché une GoPro en fait. C'est trop marrant, donc le chien aujourd'hui va filmer. Voilà, c'est trop drôle. Mila, tu t'en vas? Tu es partie? Tu es partie sans nous? Au revoir. Que la caméra elle allait être là, on va rien voir, elle va voir que ses oreilles au chien. Non, justement tu verras. C'est marrant, j'ai mis en ultra grand angle. Je pensais en fait que le harnais et la caméra elle serait juste ici quoi, tu vois. Ben non, parce que le chien il penche la tête, donc tu vois, il est comme ça, il aurait eu la caméra devant. Là, vu qu'il, quand il court, on a quand même un chien youtubeur, c'est très fort ça. Un chien youtubeur. Je suis pas sûre que. Abonnez-vous à sa chaîne. Mettez un pouce bleu sur ses vidéos. Ouais, non, un pouce bleu sur ma vidéo pour Cartman le youtubeur. Hashtag Cartman on YouTube. Ce chien est d'une délicatesse incroyable. Il va chercher le bâton. Et il rapporte le bâton, comme un chien. C'est normal, hein, en même temps. En même temps, c'est un chien. C'est un chien youtubeur, mais c'est un chien quand même, hein. Alors, je viens de regarder le retour sur l'iPhone. C'est trop marrant, les prises de vue. Mila! Mila, elle s'en va là, par contre, Alex. Salut, ça farte. N'importe quoi. Et du coup, on voit sur le retour les oreilles du chien, c'est trop drôle. Pour ceux qui nous demandent ce qu'il a à l'oreille, je sais pas si vous vous rappelez, enfin pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez expliqué. Un hématome. Ouais, un hématome super gros. Vous savez, comme les boxeurs, ils ont des fois... Ben des fois, ils peuvent avoir des trucs bizarres aux oreilles, etc. Les boxeurs professionnels ont ça. Et on nous avait dit de masser, on avait une pommade, etc. On l'a toujours fait et ça ne s'est jamais remis. C'est-à-dire qu'il a plus le gros truc, la grosse boule, mais il a l'oreille toujours qui pendouille un peu. Donc, je pense pas qu'il ait mal. Notre vétérinaire, elle a dit qu'on savait trop rien faire. Donc... Tout dur, on peut plus faire de ponction ici, c'est sec à l'intérieur. C'est sec à l'intérieur, c'est très bizarre. Faudrait peut-être l'ouvrir, mais bon, j'ai pas spécialement... Enfin, ça, j'ai pas l'impression que ça le gêne, donc j'ai pas spécialement envie d'aller faire ouvrir l'oreille du chien pour ça, hein, parce que c'est jamais gai pour eux, donc voilà. Et du coup, ouais, il a l'air un petit peu bête, mais bon, c'est pas très grave, quoi. Hein. Il aura pas pu se faire bête que moi, hein. Mila ne veut plus marcher. Comment on appelle ça? Un charpin? Un quoi? Un charpin? C'est quoi un charpin? Je crois que c'est comme ça, hein. C'est pas un charpé, c'est le chien, on est d'accord. Je crois que c'est le charpin, le guide de montagne, c'est qui porte les colis encombrants. Je savais pas. On est de retour à la maison.
Je vais aller laver Mila parce qu'elle est tombée une ou deux fois. Je voulais pas filmer, mais elle est tombée deux fois, donc elle s'est pas fait mal, mais elle s'est salie de partout, les mains, tout. Donc je vais lui rendre un bain tout simplement. Et ensuite, eh bien, on se préparera toutes les deux pour aller au resto avec ma maman, parce que ma maman elle nous a invité au resto pour l'anniversaire d'Alex, qui était hier d'ailleurs. Mais bon voilà, on s'est dit bon c'est pas grave, elle nous invite, on y va quoi, on va pas refuser. Alex est en train de tondre la pelouse pour tout vous dire, je vous montre. C'est papa ? C'est papa ? Bon me voilà après un bon débarbouillage, hein, voilà ça va mieux. J'ai mis un de mes rouges à lèvres The Body Shop, je ne sais plus c'est lequel. Mais c'est un de ceux que j'ai reçu dans la fameuse boîte trop jolie. Elles sont super mates, il est super beau, c'est un très joli rouge. C'est un rouge bien flashy comme j'aime bien. Donc je suis super contente. Je viens de laver Mila. Alex est en train de la sécher et de l'habiller. On fait moitié-moitié, comme ça on se partage les tâches, oui. Le resto, room 2. C'est le lion. Il y a ton nom sur le gâteau. C'est malin. C'est malin. C'est votre anniversaire aussi, hein, Marie. Bon anniversaire et bon appétit. Merci. Merci. Alors, celui qui ne sait pas que c'était mon anniversaire, c'est qu'il est sourd. Alex a surkiffé ce moment. Hein. Ça va rester gravé à jamais dans sa mémoire, ce moment. Regarde bien que c'est pour moi que je vais me faire ça. Au début, il n'y croyait pas. Enfin bref, ma caméra a bugué les premières secondes, sinon c'était trop drôle. Vous t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça se payera, je sais. Je sais ce que je vais faire. À part ça, ce soir, j'ai besoin de vous et je compte vraiment, vraiment sur vous pour écouter les quelques secondes qui vont arriver dans cette vidéo. Alors, je participe à un challenge pour soutenir la protection des rhinocéros dans le monde. C'est en partenariat avec Gulli et le WWF que vous connaissez sans doute mieux avec le logo. Je vais vous le mettre là, comme ça vous verrez de quoi je parle. Et donc, mon défi à moi, c'est de mimer l'éléphant. Donc, je vais devoir mimer l'éléphant devant vous et je vais vous expliquer juste après la suite des choses. T'as pas envie de venir m'aider à mimer l'éléphant, Alex? Bon, attends. Tu dis ça pour mes oreilles? Alors, comme ça. Attends, je vais essayer de le faire moi. C'est pas comme ça? Bah si. Enfin, attends, je me pousse un peu. Je vais pas me prendre un coup de trompe surtout. Ah bah déjà, tu reconnais ma trompe alors. Parce que t'as dit. Tu sais, un éléphant, tu le mimes comme ça, tout le monde. C'est ce qui s'appelle une très jolie team éléphant. Hashtag team éléphant. Donc en fait, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de reproduire ce qu'on vient de faire, peut-être mieux. Hein. Vous avez peut-être plus de talent que nous pour imiter l'éléphant. Ça va pas être dur. Hein. Et du coup, c'est très simple. Ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est à votre tour de mimer un éléphant en vidéo ou bien de le dessiner. Donc voilà, tant que c'est en vidéo, de représenter un éléphant et de le partager sur votre propre réseau social. C'est-à-dire que vous pouvez le faire sur votre Instagram, sur votre Facebook, votre Twitter, votre Snapchat, sur YouTube, peu importe, tant que ça reste en vidéo. Et de bien sûr mettre le hashtag Team
éléphant, c'est nous la team éléphant. Donc je compte sur vous, hashtag team éléphant et également le hashtag Safarigo. Et Safarigo, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une nouvelle émission de télé proposée par Gulli pour sensibiliser les plus jeunes en fait à tout ce qui est espèces menacées, etc. pour que les plus jeunes comprennent tout ça. Alors suite à vos partages sur les réseaux sociaux, donc de vos mimes, etc., je tirerai les meilleurs au sort, donc les meilleurs mimes, les meilleurs dessins en vidéo. Et donc ces quelques gagnants remporteront des cadeaux WWF. Et pour terminer, je nomine la belle Golden Wendy pour à son tour parler de cette belle cause sur sa chaîne. En tout cas, on compte vraiment sur vous pour participer. C'est vraiment une belle cause, franchement. Donc n'hésitez pas à partager, n'ayez pas peur de faire l'éléphant. Et si ça vous dit pas de faire vous le mime... Vous ne serez pas plus ridicule que moi. Si ça vous dit pas de faire le mime, faites-le tout simplement en dessin, etc., en vidéo. Ça marche aussi. Et je vous préviens, je vais checker les hashtags pour voir qui le fait sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser maintenant parce que pour une fois, je vais aller me coucher un petit peu plus tôt. Ça va me faire du bien. Quelques heures de sommeil, ça fait toujours du bien. Si cette vidéo vous a plu, je compte bien sûr sur vous pour la liker. Et puis moi, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Gros bisous.